Invité de quotidien, Danny Boone raconte une drôle d'anecdote au sujet de Cadmerade et de son habitude de ne jamais louper Télématin, présenté par sa femme Julia Vignali. Le premier fan de Julia Vignali. Ce lundi 10 avril 2023, Danny Boone, Charlotte Gainsbourg et Cadmerade étaient les invités de quotidien, sur TMC, à l'occasion de la sortie de leur prochain film, La vie pour de vrai, attendu en salle mercredi prochain. Questionné par Yann Barthès sur les coulisses du long métrage, le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis a révélé que son complice avait vécu chez lui durant le tournage, ajoutant avec humour, « Il a économisé l'hôtel et il a vidé ma cave à vin ». En profitant aussi pour dévoiler ses habitudes matinales. Je faisais le petit déjeuner et lui, il regardait sa femme dans Télématin. Cadmerade assurait effectivement que le duo d'acteurs avait profité de cette colocation pour travailler leur texte. Ce que Danny Boone a d'abord confirmé, on répétait le soir, le matin, avant de passer aux confidences, enfin le matin, il regardait à 6h30 sa femme sur Télématin. Je faisais le petit déjeuner et lui, il regardait la télé. Il me disait, viens on va faire une photo. Donc on faisait une photo avec l'écran. Au moment où il y avait Thomas Otto, du coup il fallait refaire la photo, a-t-il raconté, provoquant évidemment une vague de rire sur le plateau du talk show. Mais le réalisateur ne s'est pas arrêté là et a continué de charrier le mari de Julia Vignali, si est-il très bizarre. À 6h30, je suis là, dans le cirage, à faire le café. Et là j'entends la télé. Je me dis, mais qu'est-ce ce qu'il faut à mettre la télé? A-t-il lancé. Je ne surveille pas, je contrôle, j'analyse. Cadmerade, tout aussi blagueur, a tenté de se justifier, mais je contrôle, a-t-il balbutié, provoquant l'étonnement de Danny Boone. Ah, tu surveilles? A-t-il interrogé son collègue et ami. Mais l'acteur de 59 ans s'est défendu, non, je ne surveille pas, je contrôle, j'analyse. Ce n'est pas la première fois que le compagnon de l'animatrice de France 2, s'amuse à jouer les jaloux au sujet de la relation entre le duo de présentateurs de Télématin. Je suis obligé de regarder. D'ailleurs, je surveille Thomas Otto et je lui ai mis un bracelet électronique. Avait-il plaisanté sur le plateau de Vivement Dimanche, il y a quelques mois? À lire aussi, Danny Boone et Cadmerade évoquent leur grosse engueulade sur le tournage de Bienvenue chez les Ch'tis.